Ah, aidez-moi, aidez-moi! Mais Lily Rose! Ah, je me suis fait trop mal! Mais il faut que t'avances là! Mais j'arrive vraiment pas à avancer, je te jure, je me suis trop blessée là! En même temps, quelle idée de sauter dans un trou comme ça! Mais je l'ai pas vu! Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien! Nous là, ça va pas du tout, on est en pleine forêt! On a voulu faire une randonnée dans la forêt, ça fait à peu près 2 heures qu'on est parti! La voiture, elle est à 2 heures de marche! Et là, il y a Lily Rose qui a eu la bonne idée avec Valentin! De mais sauter dans moi, un trou. Non, j'ai pas sauté dans le trou, j'ai pas fait exprès. Il était devant moi. Et du coup, elle s'est foulée la cheville, elle arrive plus à avancer. J'arrive plus à bouger la cheville, le pied, j'arrive plus rien à bouger. Essaie de le bouger. Non, écoute, ça. Ah là là là. Écoute, Valentin. Quoi? Moi, je m'en fiche, je pars. Je retourne à la voiture, j'ai pas le temps pour vos sottises. Non, sérieux? Attends. Mais on va faire comment, moi? Tu vas me laisser ici, comme ça, en plan? Bah oui, je vais te laisser ici. Mais tu vas pas l'abandonner. Mais je vais faire comment? J'ai même pas la route et ma cheville, elle est cassée. Lily Rose, il fait nuit dans même pas 2 heures. Le temps de retourner à la voiture, il fera déjà nuit. On va faire comment dans la forêt, comme ça, la nuit? Il y a des loups, il y a des ours, il y a plein d'insectes. Mais t'es sérieux? Montre ta cheville. Ah bah voilà, y a rien, hein, on peut marcher. Mais pas bon, du tout, ça me fait trop mal, j'arrive plus à la bouger là, mets-toi à ma place. Bon, bah, toi pars si tu veux, moi je vais l'aider en fait. Tu vas l'aider? Ah bah vas-y, aide-la. Moi il faut que je retrouve la voiture. Bon les amis, dites-moi si je fais bien d'abandonner Lily Rose comme ça avec Valentin. Mais moi il est hors de question que je... Ah ça me gratte partout. Quoi? Elle est blessée. Non mais à ce rythme. Lui au moins il m'aide, tu vois. À ce rythme là. À ce rythme là, on sera à la voiture demain matin. Oui bah au moins on y arrivera. Et c'est hors de question que je reste, comme j'ai dit, une nuit ici. Bon allez les amis, moi j'avance et vous débrouillez tout seul. Ouais. Oh. Franchement il abuse de nous abandonner comme ça. Aucune solidarité hein. Non t'as mais vu. Vraiment là j'ai super mal et il fait quoi? Il nous abandonne. En plus il part seul, à tout moment il se perd et on le remarque même pas. C'est ça, de toute façon il fait toujours ça, il nous laisse de côté alors que t'es blessé. Allez. Moi je vous laisse, hein. Débrouillez-vous. Valentin, débrouille-toi avec Lily Rose qui veut sauter dans des trous. Heureusement que t'es là, hein, parce que franchement... Ah, je suis d'accord. Les belles branches, très belles arbres feuillus. Intéressant. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'attendais pas à croiser quelqu'un ici. Surtout dans cette forêt où il y a personne. Vous êtes perdu? Non, je suis pas vraiment perdu là. J'essaie de retrouver ma voiture, enfin... Vous êtes qui? Moi je m'appelle... pourquoi vous demandez mon prénom? Enfin déjà qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un vieil homme comme ça dans la forêt? Je vois pratiquement personne des fois. Hein. Mais attendez. Je suis le vieil homme de la forêt, je suis druide. Le vieil homme de la forêt? Oui. Mais ça veut dire que vous habitez dans la forêt? J'habite dans la forêt, puis je mets des feuilles pour soigner les gens, pour... Attendez, vous avez dit quoi? Vous utilisez les feuilles pour soigner des gens? Oh non. Lyra, c'est trop fatigant pour moi, je suis désolé. Mais t'es sérieux? Je vais devoir t'abandonner aussi. Non mais t'es sérieux, tu vas pas m'abandonner quand même, tu vas pas faire comme Esteban. Mais j'ai pas le choix. Mais comment ça t'as pas le choix? Tu peux rester avec moi au moins, on reste ici, promis. C'est soit toi, soit moi, je m'en vais. Au revoir Lily Rose. Mais c'est pas possible. Je vais faire comment moi, ici, toute seule, blessée? Oui. Vous soignez les gens grâce au truc de la nature, si j'ai bien compris. C'est exact, oui gars. Comme cet arbre-là, avec cette feuille, oui. On peut faire une bonne petite soupe. Avec ça, on peut faire quoi du coup? Une bonne petite soupe qui revigore, qui donne avec, du pain. Avec ça, vous pensez qu'est-ce qu'on peut soigner quelqu'un qui a une entorse à la cheville, quelqu'un qui s'est blessé? Une entorse, c'est simple. Regardez, attendez, juste là. Vous savez soigner une entorse? Bah oui. Je suis le vieil homme de la forêt. Écoutez, quand même. Attendez ici, je reviens dans 30 secondes, d'accord? Comment ça, 30 secondes? Oui, dans 30 secondes. Bon, dépêchez-vous parce que j'ai pas que ça à faire alors. Hein. Vous êtes dans la forêt, qu'est-ce que vous avez à faire? Bah, j'ai des choses à cueillir. Oui, bon, écoutez, reprenez votre feuille, j'arrive tout de suite. Dépêchez-vous! Oh là 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 là! C'est la première fois que je rencontre des gens comme ça. Ah là 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 là, très bonne nouvelle les amis. Je vais pouvoir aller retrouver Lily Rose. J'ai trouvé quelqu'un pour la soigner. Enfin l'homme de la forêt. Pour une fois qu'il y a des gens bizarres qui nous aident et que... Mais qu'est-ce que tu fais là Valentin? Oh Esteban. Oui. J'ai abandonné Lily Rose aussi. Quoi, tu l'as abandonnée? Bah oui, et toi aussi tu l'as abandonnée. Bon, on rentre. Mais non mais là, ça veut dire qu'elle est toute seule. T'as laissé une ado de 14 ans toute seule dans la forêt comme ça? Bah c'est pas ce que t'as fait tout à l'heure.
Mais elle était pas toute seule, elle était avec toi, voyons. Oui, bah t'avais qu'à rester avec elle. Bon, écoute, non. De toute façon, j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé un homme de la forêt qui soigne les gens avec des plantes, des feuilles, tu vois, tout ce qu'on a autour de nous. Ah ouais, il m'a dit qu'il pouvait soigner Lily Rose. Ça, c'est incroyable quand même. Et je l'ai laissé toute seule alors qu'il y a un médecin. Oh oui, enfin, il y a un médecin, je sais pas s'il est très médecin, mais ça tombe, lui, au moins, il a une voiture, fort. Je pense pas parce qu'il a l'air de vivre dans la forêt. Mais bon, écoute, ramène-moi où est-ce que t'as laissé Lily Rose. Par là, vas-y. Ouais. Oh là 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 là, les amis. Oh, on va finir par se perdre. Ah, ah ici, mais déjà là, Lily Rose. Lily Rose. Ah bah vous voilà enfin. Ah écoute. Ah, bon, j'ai toujours aussi mal. J'ai trouvé un médecin. Un médecin dans la forêt? Oui. Non. Alors, il a pas de cabinet. Je pense que c'est pas un vrai médecin. Mais vous m'avez abandonné. Vous pensez vraiment que je vais continuer à vous faire confiance? Il soigne les gens avec des feuilles et il est à 5 avec minutes. Des feuilles? Oui. Non merci. Et il est à 5 minutes d'ici, c'est spectaculaire. 5 minutes, non mais t'es sérieux, déjà je peux plus poser un pied par terre, je vais pas marcher 5 minutes de plus, c'est mais lui si. Qui vient ici, c'est bon. Bon, allez, je vais te porter et on va voir ce médecin, d'accord? De toute façon, c'est notre seule chance de rentrer de la forêt avant la nuit. Sinon, on est bon pour dormir dans un arbre. Mais tu penses que lui va nous conduire quelque part? Déjà un médecin de la forêt, non, alors un médecin de la forêt qui a une voiture. S'il soigne ta cheville déjà, c'est pas mal, parce que là regarde, tu tiens à peine debout. Ah ouais, bon, c'est vrai. Valentin, tu la portes ou... Oh, bon d'accord. Non, bon allez, je vais la porter. On la porte à deux. Allez, allez. Ah, souhaitez-nous bon courage les amis. Parce que là, c'est j'ai pas mal. Facile aïe, du aïe, tout. Aïe. Ah bah oui, tu m'étonnes. Voilà, voilà. Un œil de flapachou. Très bien pour guérir les entorses. Bon, il arrive ou quoi l'autre? Eh oui, on est là. Ah, hein, ah, ils sont là. C'est je croyais que vous, oui. Je n'allais jamais vous revoir. C'est l'homme de la forêt. Ah, oui, alors, bonjour. Dis-lui bonjour. Bonjour. Allez, mademoiselle. Salut. C'est vous le médecin? Allez, serrez-vous la main là. Je ne suis pas médecin, je suis druide. Oula. Ah ben, oui, bon. Ça tombe bien. Je viens de cueillir justement ce qu'on appelle l'œil du flapachou. Hein? D'accord. Oui, alors il faut l'ingérer, il faut le manger et puis normalement masser avec les feuilles qui sont là. Non, ça va aller, je pense que. Attendez, montrez le médicament. Alors ça, c'est l'œil de flapachou. Oui. Que je viens de cueillir tout frais avec la feuille là aussi qu'il faut mettre sur ton pied. Oui, oui, bon, ça a l'air de bien. Vous voulez pas nous emmener chez vous? Oui. Oui. Ouais, parce que là, c'est pour poser le pied. On fait quoi? On fait quoi? On le suit ou pas? C'est un peu notre seule solution. Mais c'est vrai que c'est notre seule solution pour arriver avant la nuit à la voiture. Et monsieur, vous avez pas une voiture plutôt? Une voiture? Bah oui. Je me déplace pas en voiture, moi je me déplace avec mon cheval. Vous avez un cheval? Oui. Vous pouvez nous le ramener peut-être? Oui, non, on va pas faire du cheval, Lily Rose. Moi je préfère. Mais comment vous faites quand vous voulez aller à l'hôpital, quand vous avez un problème, parce que vous êtes très vieux quand même? Bah, je me soigne avec mes plantes. Ah ouais? Oui, bon, allez, on va aller. On va chez lui. Oui, on arrive, oui. Allez chez vous, on arrive. Bon, on va aller chez lui. Valentin, on y va? Bah, on n'a pas le choix de façon. On va chez lui. Et si le truc qu'il donne c'est trop mauvais, on part en courant. Enfin, on part en courant, on part vite. J'ai pas très confiance, mais bon, on est un peu obligé là. On est arrivé. C'est juste ici, c'est ma petite cachette secrète. Waouh! Elle est vraiment super. C'est cette votre maison du coup? Ah ouais, cette maison. Attention, c'est ça, faut pas faire. Il y a des racines. Vas-y. Comment tu t'appelles? Je m'appelle pas. Mais si, elle s'appelle Lily Rose. Bah, Lily Rose, assis-toi. Moi c'est Esteban et lui c'est. Valentin. Valentin, oui. Voilà. Valentin, tiens-moi ça. Bah, c'est original votre maison comme ça. Regardez les amis. Sa maison, c'est un arbre déraciné. Il vit en dessous d'une motte de terre. Bon, écoutez. Alors, par contre, on n'a pas beaucoup de temps. D'accord. Voilà. Oh là là. Et il faut que tu manges ça. Ah ouais. Ah. Voilà. Bah ça a pas l'air bon. Ouais, non, ouais. Lily Rose, faut que tu. Je pense que montre. Non, je vais pas le manger. Je... Ah ouais, c'est vrai que ça a l'air un peu particulier. Plus tard, si vraiment j'ai très très mal. Faut, masser comme que... ça. Lily Rose, faut vraiment que tu le manges, je pense. Même si c'est un peu une odeur de. Non, mais tiens, faut que tu manges. C'est un arbre, c'est un fruit en fait. Oui, ça a l'air d'être un fruit. Ouais. J'ai jamais vu d'un fruit comme ça. Non, mais. Ça ressemble à un œil. Oui, oui, faut vraiment que tu le manges, je pense, Lily Rose là. Oui, oui, oui. C'est bon! Ça a l'air bon. Oh là 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 là. Qu'est-ce que... Bon, ah, le fruit. Parce que ça donne du tonus. Hein. Ah oui, bah apparemment, oui. C'est vraiment ça, du mais tonus. Mais je suis sûr que ça va marcher. Oh. Oula. Oh. Oula, merde. Oula, oula. Oh. Oula, oula, Lily Rose. Oh, reste ici. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de s'enfuir. Elle a mangé en entier. Mais on la voit même plus.
On la voit même plus. Elle aurait pas dû manger en entier. Mais elle a même pas mangé en entier, il en restait plein. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous lui avez donné? Elle est devenue folle. Mais ouais, maintenant... Oh, on a perdu. Mais oui, mais l'œil de Flapachu, mais on s'en fiche. Moi, je voulais juste guérir sa cheville. Je voulais pas qu'elle s'enfuit comme ça. Vu comment elle a couru. Lily Rose. Reviens. Lily Rose. Oh là là, je m'en doutais qu'il fallait pas faire confiance à ce fou de la forêt. Ah, Lily Rose. Lily Rose. Qu'est-ce que tu fais? Reste ici. Arrête, va pas par là, tu vas tomber dans l'eau. Oh non, Lily Rose. On l'a perdu là. Ah non, mais regarde. Elle va là-bas, elle va tomber dans l'eau, elle fonce dans le marécage. Oh non. Bon, Lily, ça suffit, hein. Maintenant, il faut rentrer. Je vois que t'as au moins, les amis, sa cheville est guérie. Mais bon, là, ça va pas suffire. Je pense qu'on va avoir du mal à la raccompagner jusqu'à la voiture. Lily, stop. Non, non, stop. Non, Lily Rose, écoute-moi. On s'arrête. Bon, les amis, je sais pas comment on va faire. Bon, monsieur... Donnez-lui un sort pour qu'elle redevienne normale, s'il vous plaît. Vite, une feuille calmante. Bon, les amis, je pense que nous, on va s'arrêter là. On va rejoindre notre voiture tranquillement. On espère que cette petite vidéo dans la forêt vous a plu. On aura fait une rencontre avec un super médecin, entre guillemets. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et surtout, allez voir une autre vidéo sur notre chaîne. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Cliquez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran. À la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a ?